Oh, oh non! Vous entendez le téléphone? Oui, allô? Les vidéos du 2 mai 2009 sont-ils? Allô? Voudriez-vous répondre, s'il vous plaît, à ma question? Oui, c'est moi. Ah, c'est après l'introduction. Croyez-vous que ceci, que c'était une belle émission, le 2 mai 2009? Nous allons voir. Excusez-moi, nous allons voir. Au revoir! Nous allons revoir, au revoir. C'est une blague. Un jeu de mots. Post-traumatique. C'est très traumatisant. C'est, vous allez, ben même, on va aller regarder les traumatismes que ça procure lorsqu'on fait une errance canadienne ce 2 mai 2009. OK. Je vous rappelle plus. Arrêtez les croches. Au revoir. Adieu, bye bye. Les vidéos. Fais jouer les vidéos, oui, moi. Ouais. Fais jouer les vidéos. Ouais. Non, non, non. Et pour nous envelopper dans une atmosphère musicale créative et introspective, unissons-nous autour, hein. C'est autour du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est bien le temps d'éternuer, on va bientôt en crever. Autour du chanteur suisse Stéphane Heyer. Stéphane Heyer est né le 17 août 1960 à Munchen Bunches. Écoutez, Munchen Bunches. OK? Pas de formation en linguistique, mais encore là, le français. On a le français approximatif ici, là. Et puis donc, en Suisse, près de Berne. C'est près de Berne. Pas Stéphane, là, mais l'autre Berne. Là. Déjà, il faut connaître Stéphane Berne, ici à Québec, pour être connu. Il est le deuxième d'une famille de trois garçons. Son poupa, violoniste de jazz à 16 heures. À 17 heures, c'est plus lui, mais à 16 heures, c'est lui. Ah, c'est un grand amateur de musique jazz. Après, il connaît plus rien. Il oublie. Il oublie tout, doudou, le papa de Stéphane Heyer. Et puis, donc, donne à Stéphane et à ses deux frères le goût de la musique. Durant trois émissions, là, on est rendu à la deuxième, nous nous introduirons dans les coulisses des studios qui enfantent une œuvre discographique et du même souffle, celui de Taxi Europa. Maintenant, enrobons-nous en ce samedi, proposons-nous un fil. Mais ça, là, c'est tout petit, là. C'est tellement... C'est comme un fil Ariane. Ariane! Non, non, pas... C'est pas Ariane Moffat, là. Ariane, un petit fil conducteur, là. Une ligne directrice entre le haut et le bas pour rester en communication. Connais-tu ça, le fil Ariane? Regarde-moi l'autre. Non, regarde Ariane Moffat. Ben oui, mais lâche-la, la pauvre. Elle veut rien savoir de toi, Ariane Moffat! Elle dit, je t'ai rien fait. Pourquoi tu m'as fait, Ariane Moffat? Elle veut pas, t'entends? Bon, ce qu'elle voudrait, Ariane Moffat, c'est une chose intrinsèque, c'est que t'achètes ses albums. Acheter ses albums, c'est encore mieux que... Parce que elle aime, bien sûr, qu'on la reconnaisse, mais elle aime mieux. Oh, monsieur, il y a de la... Oui, attention, on est dans le Twilight Zone, monsieur. Oh! Le son est bidirectionnel, stéréo surround. Oui, on a le budget. Alors donc, mon cher ami, quand je te dis qu'on va changer de... On va changer, qu'est-ce qu'il dit? Non, ah oui, alors maintenant, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et laissons la musique nous enchanter. Mais là, pour laisser cette place, il faut enlever tous les meubles. Ben oui, ça vient pas tout seul, cette musique-là, là. Non. Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît. Ouais, c'est OK. Tournez-vous, là. Bon, OK. Laissez de la place à la musique, là, parce qu'elle prend de la place, elle. Même si c'est... Ben oui, mais c'est de la musicalité, hein. Connaissez-vous ça, de la musicalité? Bon, ben ça vient de même. Il y a de la parole qui va rentrer là-dedans, il y a de la musique, parce que si c'est trop petit, ça va faire une petite pièce de 30 secondes, puis c'est pas assez. Bon, excellent, ça. Parfait. OK, là, on se prépare mentalement, parce qu'on va laisser Mme Cordy s'accorder à notre voix. Annie. Oh, Annie. Là, les musiciens sont prêts, là.
Les musiciens sont prêts, Annie aussi. Mais c'est ça, là, vous avez tout mis les chaises. Les... Non, 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 laissez un espace de jeu parce qu'elle a toutes ses grands foulards à développer devant nous. Puis c'est ça, fait que laissez de la place, OK? Annie Cordy, à